Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de notre jeudi 29 décembre 2022. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Jeudi 29, 9, 10, 11, en numérologie, le 11, c'est un maître nombre et un maître nombre très puissant d'ailleurs, hein. En 11, on est pour cette journée, on a de l'intuition. On est intuitif, mais on peut aussi être sous tension. On nous recommande donc de rester zen parce qu'on peut ressentir des choses qui sont fortes, de fortes émotions. Alors, le 11, il confère aussi une extraordinaire énergie, bien entendu. Il nous invite aussi à avoir une plus haute estime de soi. On a peut-être tendance à ne pas trop se mettre en valeur, à rester en retrait. Non, pas du tout. Il faut avoir une considération de soi-même. Côté professionnel également, son côté créatif et intuitif. Intuitif, il faut le mettre en avant. Il peut vous servir dans votre travail. Vos idées sont les bienvenues également. Gare quand même à ce côté excès d'autoritarisme quand même. En fait, le 11, ces deux côtés sont liés. Vous voyez, on peut se mettre en retrait, mais d'un autre côté, faire preuve un peu trop d'autorité. En sentimental, là, on va vivre une relation de façon entière, intense. Mais votre hypersensibilité peut vous jouer des tours. En couple, on peut ressentir certaines tensions passagères en 11, bien entendu. Alors, très positif, négatif, je vous ai dit, c'est lié. Donc, on a soif de justice, on peut être égocentrique. D'un autre côté, anticonformiste. D'un autre côté, trop rigide. Bon. Le jeudi, associé à Jupiter, on peut faire la part des choses parce que associé à Jupiter, c'est la sagesse, c'est les hommages, c'est le côté humanité, protection. Donc, vous voyez, jeudi avec le 11, on peut vraiment faire la part des choses aujourd'hui, hein. Alors, la couleur associée à notre jeudi, c'est le jaune et l'or. Voyons voir avec Monsieur Augure, message, conseil, mise en garde pour cette journée de notre jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre, alors. Elle ne veut pas venir, hop. Avani, attention à l'affrontement éventuel, à l'affront public ou en tout cas à faire une mauvaise expérience aujourd'hui. On va essayer de vous titiller, on va essayer de vous chercher, de vous peut-être de vous faire sortir de vos gonds. Et vous voyez ces deux pistolets, quand je me plais toujours à dire, dans le temps c'était les duels. Voilà, bon, on va plus, on n'en est plus là quand même, hein, faut éviter. Mais on va essayer de vous attaquer. Alors, sortie à jeudi, cette carte, elle vous explique simplement que vous allez vous sentir protégé contre toutes ces attaques et vous allez être dans le vrai de par vos propos ou de par peut-être votre agissement. S'il y a des situations qui autrefois se finissaient en duel aujourd'hui, ne les relevez pas, simplement. Ce qu'on peut vous reprocher aujourd'hui, ce qu'il peut y avoir autour de vous, c'est sans doute une certaine forme de jalousie. Bon, bah écoutez, peut-être que vous disposez d'une différence ou d'un talent que les autres n'ont pas et ça rend jaloux, tout simplement. Mais pour aujourd'hui, vous vous en protégez, ok? C'est pas mal, c'est très bien. Vous êtes protégé, vous vous protégez de ces attaques, de ces gens mauvais autour de vous. Attention, parce qu'en plus en 11, on peut être amené peut-être à se défendre. On peut se défendre bien entendu, mais en restant dans le raisonnable. Allez, jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. À la coupe, nous avons des projets. Alors, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous mine, qui vous perturbe concernant des projets. Pour d'autres personnes, vous pouvez être perturbé sentimentalement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas côté sentimental, côté amour.
Ça peut être dans le foyer, dans la maison, ou tout simplement on a fait, ça peut être à l'extérieur aussi, quelque chose qui peut concerner le familial également, par rapport à un changement, un voyage, un déménagement. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous contrarie pour cette journée, en lien justement avec foyer, maison, immobilier, peut-être sans doute parce que l'as de cœur est retourné. Ça vous travaille hein, par rapport à ce changement, à ces projets qu'il y a. Projets, on voit très bien, qui sont présents. Peut y avoir aussi vos sentiments qui sont perturbés au niveau peut-être famille éloignée. Voyez comment ça vous parle. Allez, c'est parti pour nos 13 cartes. Une, deux, quatre, cinq, huit. 12 et 13. Et vous les voyez toutes? Oh, très bien. Allez, au dos. On retrouve avec certitude, on retrouve bien vos projets hein, qui sont là. On retrouve bien le côté sentimental également, amour. Avec certitude, quelque chose va aller vite là. Quelque chose va aller très vite et c'est une réussite. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Avec certitude, sentimentalement, on fait une nouvelle rencontre. Bah, c'est le cœur a ses raisons et quelque chose va très vite. Ça peut être aussi tout simplement vos projets. Avec certitude, avec assurance, avec c'est certain, concernant les projets, une situation va aller vite et il y a une victoire, il y a une réussite. Alors, en dominant, nous avons ce monsieur, cet homme, ça peut être votre chéri. Hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est froid, distant, mais pas que, qui est également un bon caractère et qui sait forcément ce qu'il veut. Bon, ça peut être tout simplement aussi un monsieur autour de vous. Eh bien, ce monsieur, il va être en colère. Alors, ça peut être si c'est votre chéri. Sachez que votre chéri va être en colère pour cette journée. Sinon, vous pouvez être en colère, vous, par rapport ou à votre chéri ou par rapport en lien avec cette personne. Et voilà. Alors, bon, si c'est le couple, sachez que cet homme-là est mal accompagné, hein. Il y a quelqu'un de mauvais, une femme vénale autour de lui. Vous pouvez être en colère contre cette personne ou vous pouvez être en colère quoi qu'il en soit en lien avec ce monsieur. J'ai l'impression plutôt que un homme autour de vous, alors peut-être votre chéri va être en colère à cause d'une femme vénale. Ça peut être son ex-femme d'ailleurs. Ça peut être, voyez, on va voir si on a plus d'informations. Mais quoi qu'il en soit, attention, aujourd'hui, dans cette journée, il y a une femme pas très agréable, je dirais même méchante, qui va vous mettre en colère. Ah ben, c'est dans la famille, donc ça peut être une belle-sœur, une belle-fille, une belle-mère. Voyez comment ça vous parle? Ça peut être oui, si c'est en lien avec votre chérie, ça peut être une belle-fille. Ça peut être une ex à votre chérie. Ça peut être aussi votre belle-mère. Alors, conflit familial. C'est bien vous, ma consultante, hein. C'est bien vous qui êtes, vous êtes concerné au niveau famille. Sinon, il peut y avoir aussi que cette femme qui n'est pas sympathique dans le domaine familial est brune. Ça peut être la même personne. Ça peut être aussi que par rapport à une situation, vous devenez la dame de carreau parce qu'il y a quelque chose qui va vous énerver. Donc forcément, voilà, j'ai envie de dire, si on mord, on devient pas très agréable, hein. Quoi qu'il en soit, attention, prudence, il y a une femme vénale aussi dans la famille. Là, on est sur des changements, des gros changements pour vous. Il y a une femme autour qui peut-être n'est pas d'accord sur ces changements. En tout cas, ma consultante, on est sur un grand déménagement, un grand voyage, un grand déplacement. En tout cas, il en est question avec votre
Chérie, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. Il peut être question aussi pour vous, ma consultante, de vous rapprocher de votre chéri, si tel est le cas. En tout cas aussi, il est peut-être question de déménagement en lien avec cette personne qui peut être un agent immobilier, un responsable, hein, qui, en plus qu'il est collé à la maison. Ça peut être aussi les projets que vous avez en couple de déménagement, mais on voit très bien qu'autour de ça, il y a quand même une femme qui pose un problème, hein. Alors, vous avez peut-être des envies de partir et de vous rapprocher de votre maman. Il semblerait que justement, il y a peut-être quelqu'un qui bloque à ce sujet. Et peut-être que c'est vous qui êtes concerné si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine. Par ce projet de partir, de déménagement. N'oubliez pas qu'on voit toujours une colère hein, autour de ça. Hein. Alors, est-ce que cette colère, c'est la dame de carreau? Est-ce que c'est ce monsieur? Est-ce que c'est votre chéri qui va être en colère? Là, on a le couple aussi. Hein. Ça peut être la même personne aussi. Donc, se dit, une femme brune, ça peut être vous. Si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, ça peut être votre maman. Peut-être question de déménager, de se rapprocher de sa maman. Hein. Voilà votre sœur, votre meilleure amie ou votre fille. Dans le cas qui nous intéresse, je dirais fille et sœur, parce que nous avons l'as de cœur. Est-ce qu'il n'est pas question d'un regroupement familial? J'ai l'impression aussi qu'il peut être question d'avoir des nouvelles de votre maman, mais d'avoir des nouvelles aussi de votre sœur, ou de vos sœurs si vous en avez plusieurs, hein, ou bien de votre fille, de vos enfants également. Mais autour de ça, familialement, il y a quand même une tierce personne hein, qui n'est pas bonne. Hein. Ah ben, doublement. Votre fille ou votre... Alors, je vais quand même dire votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur hein, est mal accompagnée. Il y a des gens autour d'elle qui sont vraiment... Alors, non seulement on a une femme vénale, mais en plus, on a des gens qui vont chercher à poser un problème, à trahir, à se mêler de vos affaires, à se mêler peut-être de votre choix de vie, de votre déménagement. Si vous avez rencontré quelqu'un que vous avez envie de partir, l'impression que familialement, on va vous condamner, on va vous le reprocher. Si vous avez des projets, on l'a vu tout à l'heure au dos d'ailleurs, hein, des projets avec votre chéri, avec un homme que vous avez rencontré, qui présente bien d'ailleurs, qui est très bien, il se peut qu'il y ait autour de lui également des gens pas bons. Maintenant, vous pouvez aussi, autour de vos projets, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir affaire à des gens, pardon, qui sont ben, pas très honnêtes non plus. Ça peut être vous également si vous avez les cheveux clairs qui êtes concernés. Mais ça peut être aussi que votre fille, si elle est dans les changements, dans les déménagements. Attention, elle est mal entourée, elle est mal conseillée. Ouais. C'est valet de pique qui est dans le coin. Alors, ça, attention, il est peut-être question d'avoir un rendez-vous avec cette personne. Il est peut-être question d'avoir un... Il va y avoir de l'inattendu, peut-être que vous faisiez confiance à une personne dans vos projets, et sans doute qu'il va y avoir surprise. Eh bien, ça va pas se passer comme vous le voulez, ça va pas être aussi agréable, hein, puisque on a quand même dame de carreau, valet de pique. J'ai l'impression que, en ce qui concerne aussi peut-être la famille, vous allez tomber de haut. En ce qui concerne vos projets, de vous rapprocher de votre maman, de vous rapprocher de votre fille, ou l'inverse d'ailleurs, hein. Il semblerait qu'il y a de l'inattendu, il y a quelque chose qui va arriver là. On est aussi peut-être dans la surprise, surprise. Hein. C'est bien lié en dehors de chez vous. Hein. C'est bien ce que je disais. Hein. Je pense que vous avez sûrement des projets de partir, de déménager ou de vous rapprocher de votre fille, de vos enfants, de vous rapprocher de votre maman. Ou bien votre fille, c'est elle qui a ces projets-là ou c'est votre maman qui a ces projets-là. En tout cas, il est bien question de rapprochement familial, mais, il y a autour une femme pas bonne dans la famille qui n'est pas d'accord ou qui jalouse. Et il y a également, surtout, vous êtes mal entouré au niveau peut-être démarche. C'est bien lié avec une autre ville, un autre département, une autre région. Tout ceci fait que ça ne se passe pas comme vous le voulez et ça vous travaille. Bien entendu, on revient avec ce 8 de pique. Ça vous perturbe. Peut-être aussi qu'il peut y avoir des perturbations en lien avec votre maman. Ça vous travaille, hein. Peut-être aussi qu'elle est, voilà, un petit souci de santé.
J'ai l'impression, alors, ce n'est qu'une impression, hein. Mais ce 8 de pique, il est au milieu du valet de pique et de la dame de carreau. Je pense que c'est ces gens-là qui sont mauvais autour de vous, qui ne sont pas bien dans leur tête, hein, qui ont un léger déséquilibre. Voilà. La jalousie rend de toute façon pas très bien et un peu agressif, hein. Donc, voilà. Alors, les 7, il n'y en a qu'un. Les 8, il y en a 2. Les 9, il n'y en a pas. Les 10, il n'y en a qu'un. Alors, par contre, les valets, 1, 2. Il y en a 2. Et les dames, 1, 2. 3, 4. Oh, waouh, 4 dames. Alors, déjà, il faut quand même savoir que 4 dames, c'est la mésentente, la rivalité, c'est très très présent. 3 dames, c'est la rivalité. Donc, 3 dames, 4 dames. Là, on est vraiment dans le conflit féminin, la rivalité, de la jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie au niveau familial. Hein, c'est bien ce qu'on a vu. Des belles sœurs, des belles filles. Il y a des soucis familiaux là. Il peut y avoir un problème avec une belle-mère également. Une maman. Et également, de toute façon, il y a de la colère. Il y a une colère familiale avec un événement lié à l'extérieur. Hein? Et les as, il n'y en a qu'un. Bon, alors, écoutez, on ne va pas se priver de recouvrir notre dame de carreau, notre valet de pique. On va mettre un sur la colère aussi. Allez, dame de carreau. Valet de pique. La colère. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Hop. Alors, notre colère. Bon, ça va se déclencher assez vite, hein. La colère, ça, c'est un événement qui va arriver très vite, hein. Donc, mon avis, pour cette journée ou les 24 heures qui arrivent, hein. La dame, c'est des papiers. Donc, en fait, autour des papiers, ça ne va pas aller. Vous allez avoir des nouvelles par mail de cette personne, un recommandé peut-être. C'est maintenu. Donc, ce qui veut dire, les amis, hop, je mets là, ce qui veut dire que par rapport à vos démarches, par rapport à votre changement, par rapport au déménagement, par rapport à tout projet que vous mettez en place, au niveau des papiers, ça ne va pas aller. Il y a quelque chose qui va, vous allez recevoir un mail qui va être très déplaisant, des nouvelles qui vont être très, très déplaisantes. Bon, au milieu du 8 de pique en plus, c'est peut-être aussi, je vais en remettre un sur le 8 de pique. C'est vraiment des nouvelles qui sont vraiment, vraiment très désagréables, qu'on va vous torpiller. Oh là là, j'aime pas du tout cette combinaison. Vous avez la carte la plus forte de ceux qui va manger, mais au départ, effectivement, on va bien essayer de vous bloquer, de vous torpiller votre projet, votre déplacement, votre voyage. On va bien essayer de. Il y a peut-être même quelque chose qui va vraiment pas aller du tout, mais par-dessus, vous avez la carte la plus forte. Donc, déjà, c'est bien, hein? Ouf, j'ai envie de dire. Alors, votre chérie, cette personne qui me présente très bien, qui est très bien sur lui, qui a une bonne situation, qui sait ce qu'il veut. On voit très bien là qu'il va y avoir de l'imprévu avec cet homme. Ça peut être la même personne, donc de l'imprévu avec lui aussi. Il peut y avoir un rendez-vous aussi qui va se passer, mais aussi il peut y avoir des nouvelles. Donc là, l'imprévu, c'est des nouvelles de votre maman, ou en lien en tout cas avec votre maman, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, avec des gens qui trahissent, des gens qui vous. Peut-être que les réponses sont négatives ou pas ce que vous attendiez. Ça peut être aussi pour vous, hein, si vous êtes veuf célibataire plus de la cinquantaine, hein. Mais ça peut être des nouvelles sur le côté médical également, d'une femme, de vous, ma consultante, ou d'une femme brune. Donc, ça peut être votre maman, si tel est le cas. Ça peut être vous, ma consultante. Des nouvelles peut-être qui sont arrivées, qui sont pas, qui vous ont stressé. Des nouvelles qui sont peut-être du monde du médical. Après, des nouvelles aussi qui vous ont stressé parce qu'elles étaient bloquées. Mais par-dessus, vous allez avoir de la joie, il y a du bonheur qui revient. Assez vite, d'ailleurs, on retrouve ces nouvelles. Il y a la colère qui était là, qui va arriver à cause de ces nouvelles, justement, qui étaient bloquées, hein. Bloquées à cause d'une femme. La colère, elle est vraiment, en fait, vis-à-vis d'elle, hein. Il y a une colère qui va arriver très vite, d'ailleurs, hein, par rapport à un recommandé, un écrit, un mail, des nouvelles qui viennent de
Autre ville, autre département, autre région, peut-être de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur. Moi, je pense que c'est de votre fille, de votre sœur. Ou bien pour vous, si vous avez les cheveux clairs, en lien avec un déménagement, un grand changement en tout cas. Donc, je pense que les démarches sont pas arrivées comme vous le souhaitez, comme, hop, on voit clair, comme vous le souhaitez, ou peut-être torpillées ou bloquées. Et vous allez piquer votre gueulante, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, voilà. Bon. On va regarder ce que nous retrouvons avec l'oracle des miroirs pour notre jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 décembre 2022. Bon, vous avez la victoire. Dans le temps, dans un certain temps, peut-être qu'il faut encore un peu de patience, vous allez de toute façon avoir la victoire sur ce côté qui, quelque chose qui vous mine, qui vous perturbe. On voit très bien que c'est des nouvelles d'ailleurs qui arrivent. Hein. Vous êtes fortement attaché à ces nouvelles, vous allez devoir prendre la parole. Ce qui a eu la trahison, on l'a vu, et c'est le changement qui est là. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles également d'amis. Pour vous, ma consultante, hein, en tout cas une femme proche de vous, c'est peut-être les amis d'ailleurs qui vous avaient trahi. Vous allez en avoir des nouvelles, vous avez le dessus de toute façon. Ah, et il y a peut-être aussi des soucis avec la famille. Mais on voit très bien que vous souhaitez avoir des changements de toute façon avec la famille ou en lien avec la famille. Et on a pu voir avec le jeu de 32 qu'effectivement, il pouvait y avoir quelques petits soucis familialement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, les amis sont là, les amis sont présents pour vous, ma consultante. La famille est là aussi. Bon, et vous êtes protégés. Vous vous protégez en tout cas de tout ce petit monde-là pour un nouveau départ avec plein de joie et de bonheur. Effectivement, parce que vous avez des envies de partir. Hein. On a pu voir qu'il pouvait y avoir un petit souci, justement, familialement, en lien avec vos démarches, avec votre déplacement, votre déménagement, sans doute, aussi. Voilà, changement peut-être de vie. On voit que vous vous protégez de tout ça. Et le bonheur est là, la joie est là. Allez, il y a un grand oui, les amis. Un grand oui dans ce que vous décidez de faire. Un grand oui sentimental, amour pour d'autres personnes. Un grand oui émotionnellement pour vos projets. Regardez ça. Un coup de chance. Très beaucoup de chance. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre inattendue. Hein. Pour d'autres, c'est vos projets là. Il y a un beaucoup de chance. Parce qu'il y a enfin quelque chose qui va prendre fin. Alors, le fait qu'on était enfermé, le fait qu'on n'était pas bien, le fait qu'on cogitait aussi. Et regardez ça. Là, on a l'homme. Il est là, votre chéri. Pour certaines personnes, je vous ai dit, vous pouvez peut-être faire une rencontre inattendue. C'est un grand coup de chance pour d'autres. Enfin, oui, on va pouvoir mettre fin à quelque chose avec votre chéri. On va pouvoir avancer, on va pouvoir mettre en place quelque chose. Pour d'autres, j'ai l'impression que sentimentalement, c'est voulu, hein, je pense. Il y a un inattendu, un côté, voilà. Eh bien, je pense que vous allez prendre... alors, vous allez mettre fin à une relation sentimentale. Je vois très bien que la séparation, elle est là. Hein, on ne va pas se mentir. Vous avez fait un gros travail sur cette séparation, d'ailleurs. On va continuer. Hein. Parce que peut-être qu'il y a eu un souci dans le foyer, dans la maison. On l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Alors, pour d'autres, effectivement, on voit qu'il y a un grand oui au niveau amour. La rencontre, elle est là, c'est inattendu. Ce qui va prendre fin, c'est peut-être le fait de se morfondre. Hein. L'homme, il est là. Il est, voilà, il est là. Bon, on va se séparer de toutes ces idées reçues, de toutes ces mauvaises idées noires, j'ai envie de dire. Et là-dessus, pour ça, il va falloir faire un gros travail. Hein. Un gros travail sur vous-même. Mais c'est de toute façon, c'est réussi. C'est en lien également avec la famille, le foyer, la maison. Et c'est une belle victoire.
Il y a un renouveau là, hein, certainement aussi, hein. C'est joli, hein, comme jeu. Alors, il va y avoir aussi des nouvelles. Vous avez la chance, la victoire sur les nouvelles également, hein, qui arrivent. Hein. Vous allez, c'est ça. Vous attendez, hein, de prendre de la distance. Il y a peut-être des projets immobiliers. Vous envie, vous allez avoir des nouvelles. Vous avez envie de prendre de la distance, vous avez envie de partir. Vous avez envie peut-être aussi de créer votre famille avec cette rencontre que vous avez faite, hein, si tel est le cas. Alors, on en discute là très officiellement, hein, à plusieurs personnes. On discute, on discute. On discute aussi avec les enfants. Ou en lien, en tout cas en rapport avec les enfants. Il y a des projets de partir, bien sûr, mais en même temps, il y a les enfants qui sont là, il y a la famille. Hein. Alors, il y a un grand oui, en tout cas, si c'est dans le sentimental, si c'est dans vos projets, si c'est dans ce que vous voulez faire, il y a un grand oui. On voit qu'émotionnellement, si ça n'a rien de sentimental, c'est émotionnellement, vous êtes impacté, vous êtes touché. Vous êtes touché parce que vous allez avoir un bon coup de chance sur quelque chose qui va enfin prendre fin. La peur de ne pas réussir aussi, peut-être. Hein. En aide, une aide aussi pour cet homme, ou peut-être en lien avec cet homme. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, hein. Enfin, quelque chose qui se passe de beau pour cette personne, hein. Vous allez pouvoir vous séparer de cette tristesse, de ces mauvais moments, de tout ce qui va là. Vous avez fait un gros travail là-dessus, hein, sur vous-même. Et enfin, on va retrouver la sérénité, la paix dans le foyer, dans la maison. Et c'est une victoire d'ailleurs, hein. Et vous avez également une très grande victoire par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, hein. Des nouvelles qui viennent de loin, de loin. Et pour ça, il y a une grande discussion qui va avoir lieu avec les enfants ou en lien avec les enfants. Pour d'autres personnes, si vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a un grand oui au niveau amour, bien entendu. C'est perçu vraiment comme un grand coup de chance. Alors, la tristesse, le célibat, bah, il prend fin, hein, évidemment, ça prend fin parce que lui, il est là, il est bel et bien là. Hein. Vous allez vous séparer, alors vous séparez peut-être de tout un environnement, peut-être que vous allez séparer de votre travail aussi. Hein. Ensuite, on va pouvoir créer sa maison, son foyer. Peut-être qu'il y avait un travail à la maison aussi. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un grand oui, il y a quelque chose de beau. Et vous allez avoir aussi, si, pour certaines personnes, des nouvelles. Alors, des nouvelles, j'y reviens après. Des nouvelles qui viennent de l'extérieur. On va pouvoir en discuter. Vous allez même discuter avec les enfants, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a un grand oui pour quelque chose d'émotionnel qui vous touche, qui est perçu vraiment comme un grand coup de chance. Et vous allez pouvoir mettre fin. Vous allez mettre fin. Alors, ou c'est vous, mon consultant, qui est concerné, ou vous inversez, madame, hein. Vous allez pouvoir vous séparer de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec le travail. Et le travail est lié avec la maison, le foyer. Et c'est un coup de chance, c'est une victoire pour vous. Hein. C'est ce que vous vouliez d'ailleurs. Hein. Et on voit très bien que vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs. Et vous allez peut-être déménager. Est-ce que vous n'avez pas envie de travailler ailleurs? En une autre ville, un autre département. Vous avez envie de travailler différemment. Et je vois qu'on en discute d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs un travail de famille. C'est peut-être un travail familial. Une activité familiale. Pour d'autres personnes, il y a peut-être effectivement une rupture, mais elle n'est pas perçue négativement, vous voyez. On voit très bien que les amours, ils sont là, voilà, et qu'il y a un grand coup de chance qui arrive parce qu'on va pouvoir prendre fin. On va mettre fin, hein, avec cet homme d'ailleurs. Hein. On va se séparer, on va faire un gros travail là-dessus, ou bien peut-être en lien avec le travail d'ailleurs. Hein. Bon, l'immobilier, il est là, lui. Voilà, mais vous avez. Par rapport à la maison, vous la gardez sans doute, vous avez la joie dessus, vous avez la chance, la réussite. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles à ce propos d'ailleurs, et on va pouvoir prendre de la distance de tout ça. C'est un beau jeu dans tous les sens du terme, les amis. Il n'y a rien à recouvrir. Allez, on va en prendre avec Monsieur Belline quelques cartes pour voir un petit peu ce que Monsieur Belline a à nous dire. Pour notre jeudi 29 décembre 2022. Jeudi 29 Bonheur, le bonheur, le bonheur, les amis, le bonheur. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, des nouvelles qui vont vous mettre en joie, hein, qui vont vous amener vers un nouveau bonheur. Hein. Et c'est bien dans le foyer, dans la maison. Hein, et c'est vraiment en lien avec l'entreprise, l'activité. Vous créez votre. Alors, est-ce que vous créez quelque chose au sein de votre foyer? Vous créez quelque chose familialement? Vous créez quelque chose dans la maison? En tout cas, il y a quelque chose de positif qui a lieu
en lien avec la maison. Allez, trois cartes. Il y a des pourparlers. On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est bien vous, monsieur, ou bien une femme proche de vous. Et c'est dans le couple. Il y a de la discussion. Il y a de la discussion. Méchanceté. Méchanceté familiale. On essaye de vous enfermer. On essaye de faire en sorte que vous ne progressiez pas. Mais ça va prendre fin, cette méchanceté. On en discute, hein. Ça va prendre fin pour vous, on l'a bien vu dans le couple. Hein. Et regardez ça, on retrouve la passion. C'est bien pour vous, ma consultante. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Cette méchanceté au sein familial va prendre fin. Pour X raisons. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Et vous allez peut-être faire un nouveau contrat, d'ailleurs quelque chose de nouveau. On remet ça, je veux dire, il y a de la passion qui revient. Il y a quelque chose de beau qui revient différemment, en tout cas. Voilà les amis, on va finir par une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement pour notre jeudi 29 décembre. Le chakra racine, je suis. Associé à la couleur rouge, un chakra racine équilibré me procure une stabilité, un ancrage à la terre, une sécurité matérielle et un désir de passer à l'action plus facilement. Il m'aide à me sentir bien dans mes baskets. Je me connecte à son élément, la terre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Ne prenez que ce qui résonne, hein, il vous parle bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'être fidèle, de me suivre, de vos pouces j'aime et de vos commentaires de plus en plus mignons et de plus en plus nombreux. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour demain.